à tous. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de mes mains et mes espérances pour le Champagne Open. Donc là, on est le 3 septembre au moment où je tourne et aussi sûrement au moment où la vidéo sera postée. Et c'est le 8 et le 9 septembre, voilà. Donc, je participe à tous ces events plus l'OH. Mais l'OH, c'est mon main OH, c'est aussi mon main pour le 3x3. Donc on va commencer par l'event qui m'intéresse le moins, jusqu'à celui qui m'intéresse le plus. Donc c'est le Pyraminx. J'essayerai de faire. Enfin, je connais plus du tout mon niveau. Avant, j'étais sub 9. Maintenant, je crois que je suis tout juste sub 10. Hein. Sub, pas sub. Je vais quand même essayer de faire sub 10 AVG. Sinon, sub 8 single, ce serait bien. Voilà. Et j'utilise la méthode débutante. Voilà. Enfin, celle où on fait une face et après on a 4 ou 3 cas possibles. Je sais plus. Bref. Ensuite, on a. On a le Scube. Donc, le Scube, ça m'intéresse déjà beaucoup plus. J'en fais beaucoup plus. Le Scube, mon main, c'est un X-Man Wingie. Aussi, je crois que j'ai oublié de le préciser, mais ça, c'est un X-Man Bell. Voilà. Donc, ça, c'est un Wingie. Je compte faire je sais pas, peut-être, ouais, sub 10 AVG5. Sub 7 single, ce serait bien. Et j'utilise la méthode intermédiaire, voilà. Ensuite, le 2x2, ça m'intéresse à peu près autant que le cube. Donc, c'est un Gyogwan Xingzhen Pro M, voilà. Que j'ai setup moi-même, voilà. Donc, je pense. Enfin, je sais pas, je vais dire sub 5 AVG5 et sub 3 single, ce serait bien. Sub 3 single, je ne garantis rien, mais sub 4 single, ça c'est sûr. Sub 3.5, voilà, pour pas trop se mouiller. Ensuite, le 3x3 normal. Donc, c'est un Gyogwan Wuxiao Pro. D'ailleurs, j'ai un léger souci que j'aimerais. Enfin, un léger mystère que j'aimerais élucider. Moi, j'ai que la face blanche et face bleue qui se dégradent. Les autres, elles sont presque nickel. Voilà. Donc, je voudrais savoir pourquoi, si vous pouvez me dire. Donc, là, je vais essayer de faire sub 16 AVG5, je pense que c'est bouclé. Sub 15 pour avoir un peu de défi, voilà. Ensuite, sub 13.5 single, ce serait bien. Et j'utilise Friedrich, full PLL. À peu près un tiers des OLL, voilà. Et ensuite, l'OH, mon main event. Voilà. Donc. Je vais essayer de faire sub 25 AVG5. Pour mon niveau, apparemment, je suis fort, donc je sais pas, vous. Donc, c'est aussi le Gyogwan, voilà. Je vais essayer de faire sub 25 AVG5 et peut-être sub 20 single. Voilà. J'en fais à peu près un par jour, donc pourquoi pas, hein. Je crois que les deux tours d'OH, s'il y en a deux, ils se déroulent sur les 2 jours, donc pourquoi pas après tout. Donc voilà pour mes mains et mes espérances. Maintenant, je vais vous montrer ce que je vais emporter en plus. Donc, en accessoire, mon stackmat Gen 4, voilà. Très bon rapport qualité-prix. Ensuite, une boîte de Valk comme cache, voilà. C'est assez utile quand on n'a pas envie d'investir dans un cache. Ensuite,
Bah ça c'est la boîte du Wingy, hein, tout simple. Je vais prendre mon Valk 3 pour m'échauffer. Voilà. Mon Mirror Cube, parce que j'aime bien. Voilà. Je trouve que le concept est plutôt pas mal. Ensuite, un autre Gurwen Xingen, normal cette fois, pour m'échauffer. Voilà. Ensuite, mon Yugazin Little Magic, qui est totalement nul maintenant. Les stickers, ils sont pourris. Maintenant, les aimants, ils se collent. Enfin, ils se décrochent. Du coup, ça... On sent presque plus les aimants. Ça sert à rien. Je vais juste le prendre pour faire, par exemple, des Team Solve. Ensuite, mon mini Valk. Je m'en sers presque pas, mais c'est pour des amis. Voilà. Ensuite, mon Moyu Magnetic Pyraminx. Voilà. Pas mal aussi. C'est pas mon main, je vais l'utiliser pour m'échauffer aussi. Et enfin, un petit Zanchi. J'aime bien le feeling. J'ai mis un peu de DNM 37 dedans. Donc en fait ce cube là je compte essayer de le faire signer par tous les meilleurs européens. Donc à Champagne il y a Alexandre, du coup bah je vais demander à Alexandre s'il veut bien. Ensuite à Zonhoven, parce que je vais aller à Zonhoven, il y aura Mats Valk et Anthony Paterakis, donc deux excellents cubeurs aussi. Voilà, et après je verrai peut-être pour un jour rencontrer Martine Ekvedal. Voilà, et c'est à peu près tout. Enfin, niveau cube, c'est tout. Après, j'ai ce petit sac où à la base il y avait un Aolong. Voilà, et dedans j'ai mis un tournevis du DNM 37. Et du Lubicle Speedy. Voilà. Du coup, c'est tout. Après, mon sac, c'est un sac Moyou. Voilà. Écartez la caméra pour que vous puissiez le voir. Là, vite. Pardon. Voilà. Beau sac Moyou. Très très bien pour le transport, tout ça. Et donc aussi, peut-être que mes mains vont changer. Enfin, peut-être que je vais switcher du Gyokuan Wuxiao Pro au Gan RSM, ce qui m'étonnerait franchement quand même. Mais peut-être, parce que sur place, je vais acheter un Wukui, un RSM et un tapis pour mon stack mat. Voilà. Du coup, c'est tout. J'espère vous retrouver là-bas. Et bah, pas plus.